Zami fami anwe la kaye, koman nou ye? Nou espere ke tout moun an form jodi 2 novembre 2024 lan, kote ke nou pral gade ansanm eleman de informasyon sa yo. Donc se vreman komplike. Donc pou premier ministre Guy Ricconi, kote ke akòm Montana nan yon letan tout louvri, yo voye bay konsey prezidan Fritz Alphonse Jean mande aksyon imedya fasa ak yon kriz sosyal a la man en Haïti qui est marqué par insécurité, violence, déplacement forcé, avec une inflation qui a augmenté. Et mais si a été demandé pour révoquer trois conseillers présidents qui accusés pour corruption dans le rapport ULCC1 et puis demander démission au gouvernement Guy Ricconi qui yo jugé incompétent, yo insisté. Donc pour publication rapide décret nommé et membre conseil national de sécurité ak organe contrôle action gouvernement et zami et famille nou yo. Donc pas oublier que nan moment que conseil lan li même t'a pralé pour li prêter serment et bien monsieur t'a parlé en pile des questions de conseil national de sécurité hein. Donc il t'a pral regrouper des plusieurs experts haïtiens donc c'est eux même qui t'a pral travail des concerts avec la police nationale avec une force multinationale lan, pour identifier problème yo donc pour venir avec une solution mais nous ouais que conseil là qui gagne plusieurs mois donc dans tête à pays hein, jusqu'à présent il pourquoi monter donc conseil national de sécurité ak organe contrôle action et gouvernement donc zami famille nou yo et puis akòm Montana mandé une révision donc en plusieurs comité remanyen donc yo mandé pour remanyen akòm 3 avril qui était signé et pour renforcer coordination li. Donc organisation qui signe lettre ça mais gien la donne AMC Haïti racine dans campé pa gagné inno ak plusieurs l'autre encore zami famille nou yo. Donc akòm Montana prend presque même en position avec un parti aidé de ancien premier ministre Claude Joseph qui nous pral faire autant de côté que li mandé pour yo mettre trois conseillers et de côté donc nèg sa qui inculpé par rapport ULCC hein? Même gens ak accord 21 décembre mais non wè que accord Montana lui-même li très radical dans demande li yo donc gen CARICOM yo l'autre côté k'ap suivre la transition hein, de près donc d'ailleurs c'est eux même qui t'ai encouragé pour nous prendre chemin conseil présidentiel plusieurs têtes là mais yo t'ai chita parler avec Guy Ricconi ni et conseil présidentiel là donc en sous yon éventuel et avancé qui fait pour résoudre tension qui existait entre deux têtes exécutives là donc yon crise qui vient mettre abcès sous clou et qui bloquer transition zami famille nou yo donc il y a un président conseil là qui pat nan pays qui rentré hier et qui sont participé dans conférence en biodiversité dans pays Colombie et qui était organisé 27 à 28 octobre qui sont passé là. Donc nous voyons que Guy Ricconi était débarqué avec équipe là dans aéroport Toussaint l'ouverture là côté que il était à recevoir donc un président conseil là qui c'est Leslie et Voltaire. Donc Leslie Voltaire qui gagne plusieurs gros sentiers qu'a prétendu. Donc premièrement, donc il gagne convocation lundi. Donc à cap venir là et premier ministre Guy Ricconi pour venir bay explication de présence et plusieurs mercenaires dans pays hein. Et côté que Guy Ricconi engagé yon compagnie de sécurité donc qui état vinn faire formation pour policiers yo selon ça que primati lui-même et publié et bien yo mandé donc et lumière donc yo mandé pour que Guy Ricconi vinn bay explication. Deuxièmement, gen question de remaniement ministériel. Et bien c'est là que plusieurs parties donc prenante yo même yo mandé pour que yo révoqué trois conseillers présidentiels yo donc avant et après yo met parler de remaniement ministériel donc pas gain question de remaniement ministériel avec trois conseillers sa yo qui inculpé par rapport ULCC donc gain Claude Joseph qui clair dans déclaration li même gens avec accord donc 21 et décembre et zami famille nou yo donc à côté que yo déjà chita parler avec donc premier ministre et Guy Ricconi donc spécialement à 21 décembre donc qui est parlé avec Guy Ricconi nous qui non démarche et qui a rencontré donc toute partie et président yo donc avant les pattes et fait ça mais Guy Ricconi qui senti que depuis elle prend un seul gain soulier que pouvoir le menacer parce que conseil présidentiel là déjà signé une résolution
donc yon résolution pour révoquer donc Gary Koné c'est que li pas accepté faire remaniement donc en ministériel là mais Gary Koné li connaît que gagné trois nèg qui pas droit dans conseil là donc que opinion yo donc mandé pour que nèg ça yo même yo écarté yo dans conseil présidentiel là et bien Gary Koné al chita parler avec un parti prenant ça yo donc pour que li basculer donc situation en faveur li. Donc nous voyons que gagne un juge qui sous dossier qui c'est juge Benjamin Fils-Aimé. Ben juge Benjamin Fils-Aimé déjà envoyé plusieurs invitations donc en bas trois conseillers présidentiels. Donc nous voyons que gagne avocat yo qui dit que monsieur pas capable présenter et non invitation ça yo donc parce que statut présidentiel yo donc statut présidentiel monsieur yo donc pas capable présenter devant juge Benjamin Fils-Aimé parce que juge Benjamin Fils-Aimé pas gagné compétence assez donc pour que l'étendre donc président yo donc faut que tu as gagné route pour justice de et parlement et pour que yo tende monsieur yo non et moment ou bien faut que yo ta révoqué yo et pour yo retirer statut présidentiel que menèg yo gagnent donc pour que yo présenter devant et juge Benjamin et Fils-Aimé donc nous voyons que et Gedi Blaise donc qui était parlé de article 2 dans décret et 12 mars là donc qui était porté à création conseil et présidentiel là qui dit que si un monde gagne une poursuite judiciaire et que li pa ka fait partie de conseil là et bien il te dit que c'est un article qui est porté à éligibilité moun k'ap vinn fait partie de conseil là et bien il y a Claude Joseph qui corrige donc un cahier Gedi Blaise que nous pral faire autant de donc et talé comme ça et zanmi nou yo comment et que Claude Joseph lui-même tape déposé et qui mandé pour écarter monsieur yo donc dans conseil là mais avant que nous faire autant de Claude Joseph en ami famille Anouel Akayo en font garder donc comment que évolution yé dans élection présidentielle la Kayo tout ensemble bien selon journal Washington Post gain dans état Pennsylvanie et bien course présidentielle là il était serré en pile quelques jours avant élection et avec vice-président Kamala Harris avec ancien président Donald Trump qui gain respectivement 48% à 47% parmi électeurs qui enregistrés avec électeurs qui gagnent plus en chance en voter donc selon un sondage Washington Post gain gros enthousiasme dans mitan électeurs côté 94% yo di yo pral voter ou soit yo déjà voté. Donc Harris gagne un gros avantage parmi moun qui déjà voté bonnet pendant que Trump menait parmi moun qui poko voté. Et course et sénatorial là dans Pennsylvanie donc a été compétitif à côté que gagne sénateur démocrate Bob Casey et gagne 49% contre businessman républicain Devin McCormick qui gagne 46%. Mais question clé et qui influencer électeur donc c'est économie 61% et qui dit l'extrêmement important gain sécurité gain soins de santé avec immigration donc électeurs dans Pennsylvanie divisé sous base à parti politique yo donc en sous confiance dans processus élection avec un pile et républicain qui était très suspect. Harris gain support et famio dans zone urbaine avec un électeur qui pas blanc yo mais majlian ba assez par rapport et président Joe Biden nan te gagné dans année 2020 dans Trump pendant ce temps gagné support et fort dans mitan garçon électeur rural ak moun et qui pas gain diplôme université donc électeur qui gagne moins ça passé 30 ans yo appuyé Harris en pile pendant que moun qui gagne l'âge 50 à 64 ans appuyé Donald Trump affiliation religieux yo gain importance tout côté catholique yo appuyé Donald et Trump et puis électeur qui pas gain religion yo appuyé Kamala et Harris. Donc un sondage ça a été fait en 26 octobre pour arriver et 30 octobre dans mi-temps 1204 électeurs qui enregistrés et puis qui montrer importance en critique et Pennsylvanie dans déterminer résultat élection à 19 en vote électoral qui en et jeu dans état clé ça amis famille.
Donc un sondage pour élection présidentielle américaine a montré dans course extrêmement serré entre Kamala et Harris et candidat démocrate là avec candidat républicain Donald Trump d'après donc en données donc en 538 ramassé Harris devant Donald Trump avec un avantage 1.8 et zami famille nou yo sur plan national avec 48.2% intention de vote contre 46% et intention de vote pour président et Donald Trump. Cependant, donc depuis élection et dépend principalement bien cependant élection dépend principalement des états clés. Donc ça y relé swing state yo. Donc la différence là était très étroite. Par exemple en Arizona, Trump a gagné 49% dans intention de vote contre 47% pour Harris. Dans Nevada, Trump a gagné 48% et contre 47.6% pour Harris. Dans Georgia, Trump a mené 49.3% contre 46.7% et pour Harris zami fami nou yo. Donc il est important pour nous noter que sondage sa yo souvent entre dans marge iré qui fait résultat élection donc imprévisible. Donc électeur indécis yo ka joué un rôle important dans résultat final lan, en plus système électoral américain qui basé sur collège électoral et vle di que vote populaire pa gen garanti nan vote élection. À quelques jours avant élection qui prévoit pour 5 novembre 2024 là, eh bien compétition entre Kamala Harris et Donald Trump a été indécis à un sondage qui reflétait donc une bataille féroce et pour chaque vote nan état pivot. Donc à parler de président zami et famille Anoué Lacayo, eh bien gagné ancien président Michel Batelli qui nan gros problème après que Canada et États-Unis sanctionné l mais kounya c'est tout ULCC et cap mené enquête sur toute famille Michel Batelli yo bien ancien président Joseph Batelli madame Li Sofia et petit garçon Li Olivier Batelli a fait face à une enquête unité lutte contre la corruption ULCC lancée contre yo dans une lettre li adressée by magasin Luminescence date 28 octobre 2024 là bien directeur ULCC a mandé magasin pour vérifier donc si Joseph Michel Matelli, Sofia Saint-Rémy, Michel Olivier Matelli avec Michel Alexandre Matelli paraître dans registre client yo. Donc toute information qui gen rapport ak Mounza yo ki marqué ki ka marqué donc enquête là eh bien yo doué voyer ba ULCC sans retard donc d'après ça qui écrit dans lettre là. Donc journal là essayer contacter donc nous t'ai essayé contacter ULCC Hans et Joseph pour plus de détails mais li pas nous pas réussi joindre. Donc dernièrement département d'état américain donc je que nous t'ai du lien li et ak gouvernement canadien et eh bien yo sanctionné ancien et président et Michel Matelli et pour lien li gagné ak gang donc ak simé violence nan et pays et d'Haïti zami fami nou yo. Eh bien dans sorti dans corruption on a rentré dans l'autre phase de corruption et bien côté que gagné Claude Joseph donc qui parlé donc de trois membres conseil présidentiel yo qui impliqué dans scandale corruption BNC donc qui doit quitter et conseil là donc avant que conseil là parler de remaniement ministériel que nous va l'inviter autant de Claude Joseph avec en pile attention et si que un commentaire pas oublier la gueule en bas vidéo écoutez et d'abord m'a pas aucun problème avec remaniement c'est prérogative premier ministre ak CPA mais particulièrement et coordonnateur donc si vous mettez d'accord pas de problème mais vous connaissez pas qu'à faire remaniement avec la présence de trois inculpés non ça pas la dedans ça les toute bagarre qu'a fait sur ça c'est dire que faire remaniement avec les trois inculpés donc ça n'est pas envisageable et si vous trouvez qu'il y a une inefficacité dans le gouvernement, c'est normal pour changer ministre. Nous-mêmes, nous pas qu'à opposer à ça. D'accord? Mais il faut respecter l'être et esprit accord 3 avril.
li pa ka fèt en dehors de consultation des secteurs. L'article 47.1 nan accord 3 avril là, li clair. Donc sous l'assemblée des secteurs. Démarche PM nan correct alors. Bon, démarche PM nan peut-être li trop tard. Oui, et c'est pas trop tard, je voulais dire, c'est on va était supposé faire déjà. Okay. C'est-à-dire que deux gain un rapport constant avec les secteurs. Parce que ce que nous sommes en train, ça n'a vive là, je dis, c'est un coup d'État, c'est la consommation d'un coup d'État contre l'accord du 3 avril. Ah, bien sûr. Parce que CPA organise pour mettre le secteur dehors dans tout processus décisionnel. Mm-hmm. Donc, CPO, c'est eux qui représentent les têtes et ils ont lancé dans des activités qui véritablement laissaient à désirer. Donc, et après, ils ont rarement visé accord 3 avril là. Donc, il y a un problème réel. Mm-hmm. Et maintenant, au moins des mois, si je ne sais pas quoi c'est Gary connaît seulement qui pourra inviter le secteur, mais c'est CPA tout, je l'ai dit, coordonnateur. Mm-hmm. Monsieur Leslie Voltaire doit inviter le secteur. Seule différence, comme préalable, nous-mêmes, nous avons aidé à participer à une rencontre avec CPA, avec la présence des trois inculpés. Ah bon? Ah, parce que pour nous, c'est du passé, il n'y a pas dans CPA encore. Ah bon? Donc, si vous avez un effort qui a été dans CPA, c'est des efforts politiques et politiciennes pour capable de gagner des mêmes qui veulent ce pouvoir. Donc, nous-mêmes, non prêts pour nous participer dans toute pour parler dans toute discussion qui gagnait pour objectif débloquer situation hein, et faire transition en réussite. Là nous mettez les Voltaire pratiquement dissoudé puisque normalement pour tenir place ça en tout cas dans un moment ça naturellement nous tout connaît que l'État est toujours président. Donc il a fallu le vote de ces trois conseillers. Et est-ce que M. Panon l'embarras pour décider comment faire, comment y parvenir? Donc, M. Voltaire vient pour le décider entre cette situation est embarrassante, et comme on proposait là, et le pays, mm-hmm. qui est plus grand que somme chaque grain de Mounsayo qui l'a donné là. En situation, est-ce que n'a quitté transition à l'échouer? Pour trois monde qui n'ont une situation judiciaire difficile ou bien n'a pas organisé la mise à l'écart de ces trois conseillers et travailler pour la réussite de la transition. Comment on mise à l'écart ça? Est-ce que bon va en tête tout comment le cas fait? Qu'est-ce que vous prenez décision? Comment vous le faites? Bon, d'abord, c'est de constater la mise à l'écart, c'est de constater, d'organiser la mise à l'écart. Mm-hmm. C'est le Premier ministre qui vient tout le vieux au nom qui vient tout le vieux au nom je veux dire. Mm-hmm. C'est le coordonnateur du CP et le reste membre qui n'est pas impliqué, mettez ensemble pour organiser la mise à l'écart. Là, il n'y a pas un pile causé, il n'y a pas un pile bagaille. Donc, c'est volonté politique là qui peut gagner. Parce que. Au niveau des acteurs de la communauté internationale, ils ont pensé que Bagaïsa doit résoudre déjà. Mm-hmm. Donc, il revient maintenant au CP, reste CPA et Premier ministre pour organiser la mise à l'écart. La mise à l'écart, mais est-ce que la nouvelle obligé font l'autre résolution pour un mode de départager comment la majorité a? Donc, la majorité, puisque c'est 4 membres qui étaient, donc il y a 3 membres sur 4 qui ont voté pour ça, ou si on doit participer tout, dans mes têtes dehors. Non, je pense que ça, c'est avec le secteur. Parce que de toute façon, c'est le secteur qui transitionne. Qui transitionne. En fait, il y a pas un coup d'État, mais en tout cas, c'est donc à toujours corriger des rivières. Mm-hmm. C'est eux-mêmes qui étaient à la base du consensus. Le 11 mars, c'est eux qui rédigeaient, malgré la divergence, ils ont rédigé l'accord 3 avril là. Mm-hmm. Donc, c'est secteur avec le reste qui pour l'État qui pourront organiser. Vous parlez d'ailleurs de coup d'État, il fait contre secteur, mais Smith, jusqu'à avant le scandale, il était attaché avec le groupe qui était là, non?
Bon, ça dépend. Ça dépend parce que le coup d'État, ce n'est pas une affaire d'un individu et son secteur. Mm-hmm. C'est une démarche consciente de l'ensemble des membres du Conseil présidentiel, du CP, qui ont même organisé contre les secteurs. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et c'est ça qui est à la base de tout ça. C'est cette volonté de se détacher de son secteur, c'est cette volonté de se rendre totalement autonome, indépendant, autonome et bah, son secteur qui fait que nous dans la situation ça là, je veux dire. Donc à Chita, non, hôtel, on chambre hôtel avec un responsable banque, etc. Mais même bah dit que il y a un monde qui coupable, il y a un monde qui volait, même passé même cette pratique et cette situation est véritablement pas intéressant. Mais à un certain moment, on défend maintenant. Et parce que gagne des niveaux dans ce combat. Gagne des niveaux dans ce combat. Il y a un niveau à savoir côté au capable parler de présomption d'innocence. Et c'est évident, c'est des accusations. D'accord? Maintenant, une fois où elle a perduré dans un processus de transition qui est déjà fragile et fragilisé, donc on doit prendre une position. Parce qu'on a demandé à Smith Augustin de démissionner et avec un parti qui dit « Monsieur Smith Augustin, votre démission ne sera pas un aveu de culpabilité. Mm-hmm. » Donc c'est-à-dire que nous, en quoi... Bien sûr, ça veut dire nous avons été croyés véritablement que c'est pas parce que le coupable, mais c'est parce que pour permettre, faciliter la réussite de la transition. Ouais. Écoutez, et d'abord, je n'ai aucun problème avec le remaniement. C'est prérogative pour le ministre et CPA, mais particulièrement et coordonnateur. Donc, si vous mettez d'accord, pas de problème. Mais vous connaissez, vous n'avez pas faire remaniement avec la présence des trois inculpés. Non, ça pas là-dedans. Ça, toute bagarre qu'a fait sur ça. C'est-à-dire que faire un remaniement avec les trois inculpés, donc ça n'est pas envisageable. Et si vous trouvez une inefficacité dans le gouvernement, c'est normal pour changer de ministre. Nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à opposer à ça. D'accord? Mais il faut respecter l'être et esprit accord, 3 avril. Il n'est pas qu'à faire. En dehors de consultation des secteurs, l'article 47.1 n'a accord. 3 avril là, c'est clair. Donc, sous l'Assemblée des secteurs. Démarche PM non correct alors? Bon, démarche PM non, peut-être il est trop tard. Il est trop tard. Oui, et c'est pas trop tard, je voulais dire. C'est un bagage qui était supposé faire déjà. Okay. C'est-à-dire que deux gains ont un rapport constant avec les secteurs. Parce que ce que nous sommes en train, ça n'a pas vivre là, je dis, c'est un coup d'État, c'est la consommation d'un coup d'État contre l'accord du 3 avril. Ah, bien sûr. Parce que CPA organise pour yon mette secteur yon de yon dans tout processus décisionnel. Donc CPA, c'est yon représente tête yon et yon lance yon dans des activités qui véritablement laissent à désirer. Donc, et après yon rarement visé accord 3 avril là. Donc, il y a un problème réel. Et maintenant, au moins de moins si. Mba kwa se Gary koni seulement ki pou ap invite secteur, mba se CPA tou mle di coordonnateur monsieur Leslie Voltaire doit inviter secteur yo. Seule différence comme préalable, nous même nan aide mba participer nan rencontre avec CPA avec la présence des trois inculpés. Ah bon? Ah, parce que pour nous yo c'est du passé, yo pas nan CPA encore. Donc, si vous effort qui a kembe dans le CPA, c'est des efforts politiques et politiciennes pour capable gagner des mêmes qui veulent ce pouvoir. Donc, nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous participer dans toute pour parler, dans toute discussion qui gagne pour objectif débloquer situation hein, et faire transition en réussite. Là, nous mettez les Sivoltaire pratiquement dans le puisque. Normalement, pour tenir place ça, en tout cas, dans un moment ça, naturellement, nous tout connaissons que l'État est toujours président. Donc, il a fallu le vote de ces trois conseillers.
Et est-ce que M. Panon l'embarras pour décider comment faire, comment y parvenir? Donc, M. Voltaire vient pour le décider entre cette situation est embarrassante, et comme on proposait là, et le pays, qui est plus grand que somme chaque grain de Mounsayo qui est là-dedans. Là. En situation, est-ce que nous avons quitté transition à l'échoué pour trois mounes qui n'ont une situation judiciaire difficile ou bien n'a pas organisé la mise à l'écart de ces trois conseillers et travailler pour la réussite de la transition. Comment on mise à l'écart ça? Est-ce que vous avez une tête ou comment le cas fait? Qu'est-ce que vous prenez décision? Comment vous le faites? Bon, d'abord, c'est de constater la mise à l'écart, c'est de constater, d'organiser la mise à l'écart. C'est le Premier ministre qui vient tout levier au nom elle, qui vient tout levier au nom elle, je veux dire. C'est le coordonnateur du CP et le reste membre qui va impliquer eux, mettez ensemble pour organiser mes à l'école. Là, il n'y a pas un pile causé. Il n'y a pas un pile bagaille. Donc, c'est volonté politique là qui peut gagner. Parce que, au niveau des acteurs de la communauté internationale, ils ont pensé que bagaille ça doit résoudre déjà. Donc, il revient maintenant au CP, reste CPA et pour le ministre pour organiser la mise à l'école. La mise à l'écart, mais est-ce que la nouvelle obligé font l'autre résolution pour un mode de départager comment la majorité a donc la majorité puisque c'est 4 membres qui étaient donc 3 membres sur 4 qui pourront voter pour ça ou bien ils doivent participer tout dans mes têtes dehors. Non, moi je pense que ça c'est avec secteur parce que de toute façon c'est secteur qui transitionne. Qui transitionne. En fait, il y a pas un coup d'État, mais en tout cas, c'est donc à toujours corriger des rivières. C'est eux-mêmes qui étaient à la base du consensus le 11 mars. C'est eux qui rédigeaient, malgré la divergence, ils ont rédigé l'accord 3 avril là. Donc, c'est secteur eux. Avec reste qui pour organiser. Vous parlez d'ailleurs de coup d'État, il fait contre secteur, mais Smith, jusqu'à avant le scandale, ça, il était attaché avec le groupe de Vaux là, non? Bon, ça dépend, parce que le coup d'État, ce n'est pas une affaire d'un individu et son secteur. C'est une démarche consciente de l'ensemble des membres du Conseil présidentiel, du CP. Qui eux-mêmes ont organisé eux contre les secteurs. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et c'est ça qui est à la base de tout ça. C'est cette volonté de se détacher de son secteur, c'est cette volonté de se rendre totalement autonome, indépendant, autonome et bah, son secteur qui fait que nous avons une situation ça là, je veux dire. Donc, à Chita, dans hôtel, dans chambre hôtel, avec un responsable banque, etc. Mais même pas bah, dire qu'il y a un monde qui est coupable, il y a un monde qui volait, même parce que même cette pratique et cette situation n'est véritablement pas intéressante. Mais à un certain moment, on défend Smith, non? Et parce que il y a des niveaux dans ce combat. Il y a des niveaux dans ce combat. Il y a un niveau à savoir côté au capable parler de présomption d'innocence. Et c'est évident, c'est des accusations. D'accord? Maintenant, une fois où elle a perduré dans un processus de transition qui est déjà fragile et fragilisé, donc on doit prendre une position. Parce qu'on a demandé à Smith Augustin de démissionner et avec un parti qui dit Monsieur Smith Augustin, votre démission ne sera pas un aveu de culpabilité. Donc, c'est-à-dire que nous, en quoi. Bien sûr. Ça veut dire que nous avons été croyés véritablement que ce n'est pas parce que le coupable, mais c'est parce que pour permettre, faciliter la réussite de la transition. Pour te rappeler précision, donc, article 2 dans le décret, donc, 12 mars 2024, là, qui était porté à création conseil présidentiel, là, eh bien, et Claude Joseph était clair sur position-là. Donc, il faut que
et monsieur yo et quitter donc en conseil là nous c'est pas seulement donc parti aider il y a plusieurs autres partis et politiques à Accord Montana avec un accord 21 décembre donc yo mandé donc pour que yo écarté trois monsieur ça yo donc c'est une question que n'a suivre de près pour vous et pour nous et porter zanmi famille à Noël à Kayo. Donc espérer que autant ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc si qui va peine tomber sur final ça, pas oublier abonner, pèser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo et nous saluer tous zanmi nous qui peu partout qui toujours bah non love là. Qui ta moi-même. On va rejoindre dans prochaine vidéo qui apparaît sur écran que moi invité, cliquez qu'on y a.